louange à toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous commençons notre montagne. Alléluia. Prépare-toi déjà. Tu viens en état de jeûne prière. Cela est important. C'est notre grand rendez-vous de la, du mois. Nous serons là le matin et soir. La montagne sera dirigée par moi-même. Cette montagne, le thème est donné. Va avec la force que tu as. Le Saint-Esprit va faire des grandes choses pendant les 4 jours. Toutes les forces qui n'honorent pas Dieu seront englouties par la force du Très-Haut. Viens avec ton mari, ta femme, tes enfants. Viens avec toute ta maison. Cette force-là du célibat, cette force doit être engloutie. Au nom de Jésus, la force d'en haut va avec la force. C'est le thème de la montagne. Nous commençons aujourd'hui et demain nous aurons le temps. Si tu n'es pas le matin, tu es là le soir. Amène le malade. La force de la maladie sera engloutie par la force de la guérison. Nous croyons au nom de Jésus-Christ. Va avec la force que tu as. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il faut prendre rendez-vous de la prière. Bien aimé, la prière est importante. Nous l'avons compris. Jésus même était un homme de prière. Il a beaucoup aimé la prière. Tôt le matin, il allait se préparer avec son père. Il parlait avec son père. Et la journée était très marquée par des miracles. Donc le moment que tu mets pour la prière est un moment important. Donc lundi nous serons là. Va te préparer. Si tu travailles, tu vas le matin et le soir, tu viens au deuxième culte. Si tu es disponible, tu viens le matin. Mais je veux que tu sois dans un état de jeûne et de prière. Parce que nous voulons détruire par la puissance du Saint-Esprit toutes forces qui continuent à persister dans ton territoire. J'ai raté ton amen. Amen. Toutes forces qui continuent pour ne pas partir. Nous allons détruire cette force avec tous les serviteurs avec lesquels nous travaillons, les anciens. Alléluia. Amen. Et nous voulons laisser la force de Dieu diriger nos vies comme des Gédéons, réussir dans nos vies. Va avec la force que tu as. Nous nous tenons debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons Juges 6 pour ceux qui écrivent. Le thème de la montagne, c'est dans Juges 6, verset 14. La Bible déclare, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas que c'est moi qui t'envoie? C'est ça le thème de la montagne. Alors, je veux qu'on puisse lire les Juges 7. Là, c'est le thème, verset 14. Juges 6, verset 14. Va avec la force que tu as. Et nous ouvrons, nous prenons le chapitre suivant, Juges 7, verset 1 au 7e verset. Certainement, merci Saint-Esprit. Je bénis ces moments. Merci pour cette parole. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui est avec lui, s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Moré, dans la vallée
L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui la paieront, l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la paient, l'eau à la porte à la bouche, avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes. Quelqu'un dit 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun se soit. Parole du Seigneur, je l'aime et je l'accepte. Acclame cette parole. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Israël passe des moments difficiles. Pourquoi Israël passe des moments difficiles? La Bible nous dit, Israël fait ce qui déplaît à l'Éternel. Fais attention. Prends soin de ta vie chrétienne. Fais attention. S'il te plaît, le Saint-Esprit est là. Ne copie pas celui qui tombe dans le péché. Au contraire, prie pour celui qui tombe dans le péché afin de le relever. Dis-moi amen. Voilà la désobéissance d'Israël. C'est ce qui a entraîné sa honte entre les mains des ennemis. Le péché, c'est le péché. Et Jésus-Christ à la croix a déjà résolu le problème du péché. Tous, nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons courir vers la perfection. C'est-à-dire, j'oublie ce qui est en arrière, mais je me porte vers l'avant. Amen. Il faut aimer le Seigneur. Il faut faire ce qui est bon et marcher derrière ce qui est bon. Ne regarde pas ton ami qui aime t'influencer, celui qui vit dans le péché, celui qui vit dans la rébellion, celui qui veut te détruire, qui veut détruire ta foi. Nani azoloba amen. Keba na moninga zobebi sakondimana. Maman paya lobaka tango tokota na mampinga awa mutu na mutakota awa na ndenge na petango tokobima awa mutu na mutasa na famina.
Alors faites attention. L'influence de celui que tu as rencontré à l'église, ça peut détruire ta vie. Mais aussi une bonne influence en communion de frères, ça va nous bénir. Et dans le cas d'Israël, Israël a fait ce qui a déplu à l'Éternel. Dieu a interdit les idoles. Dieu a interdit ceci, cela. Donc, en lisant la Bible, tu comprendras ce que Dieu a interdit. Je suis en train d'exhorter quelqu'un qu'on appelle chrétien, mais qui ne connaît pas la parole de Dieu. Non, bien-aimé, un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Il est étonné quand je parle avec lui au travers de versets bibliques. Mais toi, tu pries quel Dieu? Donc, le Dieu qu'on a écrit déjà sur le papier. Et puis, c'est ça, ce n'est pas ça. Notre Dieu, c'est dans sa parole. Reste dans la parole. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas encore. Mais tu connais ce que la parole dit. Le Saint-Esprit lui-même va t'aider à être dans la parole. Amen. Les enfants d'Israël, ils vont faire ce qui va déplaire à l'Éternel. Et l'Éternel les livra 7 ans entre les mains de Madian. Marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. C'est-à-dire que c'était difficile. C'était un cas difficile pour eux. C'est l'Éternel qui le fait. Parce que tu n'es pas en ordre avec lui. Essaye de rentrer à ton Dieu. Essaye de venir dans les moments de prière. C'est ce qui fait qu'en priant, même si toi-même tu ne veux pas, mais par la prière, le Saint-Esprit va t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. La force de Dieu va te délivrer lorsque toi-même aussi tu te libères de la force du péché. Le péché, c'est le péché. Cette année, nous aurons à rendre compte. Merci beaucoup, que Dieu bénisse les pasteurs Grâce. Une fois, j'étais dans ma chambre. Le pasteur Grâce vient me réveiller. Maman, s'il te plaît, tu peux venir prier avec nous au salon. Il appelle chaque fille. Viens prier avec moi au salon. Viens prier avec moi au salon. Voilà, nous allons prier aujourd'hui. Maman, tu nous accompagnes. Je voudrais qu'on prenne, elle nous dit. Je voudrais qu'on prenne conscience que nous devons nous consacrer à Dieu. Parce que cette année, Dieu ne peut pas parler de la bouche de l'homme de Dieu. Je suis consacré. Et nous ne prenons pas conscience de ça. Nous avons prié pour la consécration à la maison. Chaque enfant, quand elle marche, quand elle essaie, elle se dit dans sa tête, je suis consacré. Même attends, qui t'occupe à mon kilimon. Nasa consacré nanan. Loba ça aide. Ça aide. Elle nous a encore dit, nous devons vivre dans la sanctification. Pour ce Dieu, il faut se sanctifier. Il faut prendre conscience de ça. Et on doit apprendre à se mettre à l'écart. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Nous devons mettre Jésus-Christ dans nos familles. Ne viens pas seulement prier ici. Mais ce que nous prions ici, qu'on puisse encore amener ça dans nos maisons. Allez, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est important. Tout doucement, on se soutient. Tout doucement, on se soutient. Et on verra le résultat. Donc Israël a fait ce qui n'a pas donné gloire à Dieu. Dieu l'a délivré entre les mains de Madian pendant 7 ans. Bien aimé, la main de Madian fut très puissante contre Israël. C'est ce que même tu vois. Tu sens que tes ennemis, on dirait ils sont en train de triompher sur toi. Regarde bien ta vie. Peut-être que tu n'es pas en ordre. Peut-être que tu es en train de souiller ton corps. C'est ce qui fait que tu arrives, tu essaies d'avancer, les choses ne marchent pas. Mets de l'ordre. Peut-être que tu as déjà mis de l'ordre, gloire au Seigneur. Ça peut aussi être une épreuve que tu es en train de traverser. Continue à prier. Nous avons écouté ici que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie, on n'a pas le choix.
Alléluia. Amen. Nous devons nous mettre en ordre et que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Alléluia. Amen. Donc, nous n'irons pas à gauche, à droite, mais pour tout et pour tout. En tout et pour tout, nous restons du côté de Dieu. Soit à l'écart pour ces dieux-là. Trois fois Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays. Dis après moi les productions. Les productions. Encore. Les productions. Lobango na lingala. Mbuma ya bilanga na bango. Mbuma. Monguna za okende kobuka ya. Yango. Kobebisa ya. Yango. Donc nyonso zolona ye après ale kakate ya salini. Ale kika po abebisa. Po yo olia na kimiate. Alléluia. Amen. Ça peut aussi être ton cas. Et koza la likambo na yo. Vérifie bien. Tala malamu. Ton état. Lolenge na yo. Entre devant Dieu. Liboso na nzambe. Tout ce que Israël s'aimait, le Madia passait avec les Amalek, avec les fils de l'Orient, il marchait contre Israël. Et il venait détruire les productions. Tu s'aimais et quelqu'un d'autre vient détruire. Au lieu que tu récoltes, vérifie bien ton état avec ton Dieu. Et c'était un moment très misérable. La Bible nous dit que les Madians, les Amalek et les fils de l'Orient ne laissaient rien à Israël, ni vivre, ni quoi que ce soit. Donc 0 plus 0 égale 0. Vina ye bongate, loba lokuta na yo. Loba naza choa ya nzambe. Naza choa ya nzambe. 0 plus 0. C'est pourquoi à la montagne, on va détruire cette force-là. Alors, c'était des moments difficiles. Merci Saint-Esprit. C'était des moments de chaos. Trois fois, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, dans ces moments de chaos, je te bénis parce que tu es en train de prier. Quand c'est difficile, il faut prier. Quand c'est la souffrance, il faut prier. Dis-moi amen. Dis-moi j'aime la prière. Dis-moi je serai à la montagne. Bien-aimé, c'est pour ton bien que tu sois à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments de souffrance et il y a des moments de difficulté. Alors, les ennemis ne laissaient rien pour Israël, ni vivre, ni quoi que ce soit. C'était difficile. Qu'est-ce que nous allons voir? Même pour Gédéon. Lorsqu'il faisait la récolte, il fait la récolte en cachette. Il fait la semence en cachette. Parlons d'abord de la semence. Il fait la semence en cachette à cause des mendiants. Il fait la récolte en cachette à cause des mendiants. La Bible dit qu'il met sa récolte sous l'abri des Madians, que les ennemis ne voient pas. Donc, ses ennemis étaient plus forts que lui. Les ennemis sont plus forts que toi à cause du péché. Prions, prions, prions afin de vivre la consécration, que le Seigneur est là pour nous aider. Tout va devenir difficile. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Mais gloire au Seigneur, parce que pendant que Israël est dans la souffrance, quelqu'un dit après moi, Israël est dans la souffrance. Encore. Tu es dans la souffrance parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Le Seigneur parle à un papa. Fina yo ezobongate
parce que sala osala kobeta ka mwasi na yo tant que otie mwasi kimia te fino pe moyesa la na kimia ezate tango zo nyoko la mwasi nzamba mona katoa mona kate me ma kimia papa na ndako na yo linga mwasi na yo yo moko mutokenda kobala ye siko komi na ndako bete na tongo beta na midi nzamba mona ka voilà yo akolongola eloko nyos na maboko na yo ukotika na eloko pona vie oyo zana ngoya kimote mama bongola motema papa. Sois un homme de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Qui apporte la vie à sa femme. À ses enfants. On doit vivre dans un territoire. Dans l'atmosphère de la joie. L'atmosphère de l'amour. Mwaye ebonga. Osoke de kumisa. Ngana za soki nani. Etali ekolo na yote. Osana Yesu. Masia. Osana Yesu Masia. Toi tu dois être comme Jésus. Yesu ngelo za la lokola Yesu. Toi tu dois être comme Joseph. Oza la lokola Joseph. Le mari de Marie. Mobali comment il a sécurisé Marie. Deni abate la ki Marie. Tout en étant un enfant qui n'était pas son enfant. Wana zo bokola mwana wa boti na yete. Yo olinga ko sala ndenge nini. Eh, mwana mwaso ayelinga mwana ya nangate. Antuka mwana oyo. Bake ndo kukola. Suki seme uti. Wapi. Me pourtant nani mutalobi? Nzambe mutalobi. Papa, il faut apporter de l'amour. Mema bolingo. Dans ton territoire. Mema bele na yo. Ta femme en a besoin. Mwasi nwa zana posa na. Ba papa ebele ba yoka kabasite. Asala kama kamunandenge na. Yeba ke okobuka te. Parce que normalement, il faut bolona na mwasi na yo. Alléluia. Bokobuka pe elongo. Talangai Archbishop mwana nzambe. Atike langai mikro na ye. Atam kolomoko te na kotrahir mobali nanga. Ni na ndoto ni na butu. Parce que mon mari il m'aime. Alingingai. Il me fait respecter. Et il bénit ce que je fais. Azo pambola pe na zo sala. Nani wana? Nani wana? Nzamba sa elaka mutu. Mutu nyonso, lui il a cru à ça. Lelo tala, makambebele yeliye. Soki ngai na zalaka tena ba ndeko nyonso. Nde mampinge vanda. Nde bolingaka yako loba nlange bino moko. Zala mutu malamu. Puke yope tango koma na pasi. Bazongi solo nini? Bolamu. Tika kobeta mwasi na yo. Amen. Aujourd'hui dimanche. Lelo yenga. Après le culte, allez manger en amoureux avec ton enfant. Nous en Europe avec papa, le dimanche après le culte, nous allons au restaurant. C'est le seul moment qu'on a de partager, de manger ensemble. Mais yo prière, ce que si les bisikas okendaka et yé banakate, moi si atuna te ke banayo mbongwane kokauka. Kutu soko moni kozi ya mbongo kakukauka ezandenge wana. Chaka mbongo na mesa. Mwasi pe ayeba mobali nanga azwaka combien. Amen. Je parle à quelqu'un. Dieu veut restaurer un papa. Dieu veut bénir un papa. Ce que tu fais à ta femme, Dieu n'est pas content. Comment tu agresses ta femme? Comment tu humilies ta femme? Comment tu la disqualifies? Surtout ndenge okoma na mbongo, koma komona mwasi lokola kikuku. Tika molimo wana. Ta femme c'est ton partenaire. Atanga tanga te asa partenaire ya nani? Olingande yewana. Amen. Amen. Si ta femme n'a pas étudié, toi tu as étudié. Maintenant, il faut que lui aussi aille étudier. Elle peut aller suivre la formation. Ici, nous avons l'école, la grande école de victoire. Tu peux venir t'inscrire ici. Ta femme peut apprendre le français. Ta femme peut apprendre, peut rentrer à l'école. C'est comme ça que les hommes responsables se comportent. Vous vous êtes
être marié pendant que la femme était aux études. Zongi saye na classe. Na lobinini, zongi saye na classe. Tala likolo awa classe e ezali. Vous n'aurez pas des excuses parce qu'il y a une école au-dessus d'ici. Na sali mabe. Pesa moi sinon Valère. Yo ozo loba français, moi ça y est français te. Zongi sa yewapi. Nano mona bat batanga ki mukolote. Bazali. Papa, Dieu va te bénir. Je parle à quelqu'un, Dieu veut le bénir. Tes mains sont sèches. À cause de ce que tu fais à ta famille. Mbongo na yo mona na kate kakabe. Copine na gauche, copine wapi. Eko kauka. Maboko ko salanini. Maboko ko salanini. Parce que la Bible déclare la femme est en train de pleurer. Moi c'est zolé là. Biso basi tolé la ka e ebele. Ebele nzamba monaka. Et vous êtes en train de voir que Dieu est en train de bénir la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui soutient la famille. L'homme, quand il a l'argent entre ses mains, beaucoup misanzambe soko moniango. Maman, batela libala soki yo monaka mbongo nandako. Et ça na basi musuba monaka ngo te. A monaka te ma vandi na yekaka. Mobale sika tiaka mbongo eyeba nakate. Mais mibala bongo maboko esa ndenge nini ya kokauka. Tu n'es pas béni. Tout ce que tu fais est sec. Que Dieu touche ton cœur, papa, afin que tu apportes la vie dans ta maison. Le Saint-Esprit est en train de parler à un papa. Il faut aimer ta femme. L'aider à comprendre ce qu'elle n'a pas compris. Alléluia. Amen. L'école du ministère. Nous sommes en France. Mon mari m'a demandé, il faut aller à l'école du ministère. Pourquoi? Il voit que le Saint-Esprit agit en moi. Mais il y a certaines connaissances que je dois comprendre. Je fais 3 ans à l'école du ministère. Lelo na yeba kate Bible bande banditi na suka na yebi. Parce que mon mari m'a accompagné. Il y avait même des moments, c'est lui-même qui allait me déposer à l'université Kuna. À Tikinga, il vient encore me reprendre. Tu dois accompagner moi sina. Koko misa moi sina yo, mbanda na yo te. Na libanda ozo seka. Mais soka koko mika na porte anda kosani. Biloko wana, loba eza demode. Eza nini? Orobangi sangate. Ezali demode. Il faut se kakananda kunayo. Sinon ma boke kosa nini. Eko kawuka. Ndenge Israel ezala nini. Ekawuka. Papa zana bato ya sala nini. Owa zana bote ba sala nini. Voilà. Tobete li ba mama maboko. Na ba papa maboko. Merci Saint-Esprit. Katali kambakobeta kamwasi. Le Saint-Esprit parle. Tu dois arrêter. C'est ce qui fait que ma boke zandenge nini yakokauka. Yakokauka. Moi ça sale ma kasi lokola yote. Kende ko bundana mibali poto tala soko kokoka kobeta bango. Amen. Il faut changer. Bongo les aleli. Bien-aimé. Bolingami. Dans ces moments de pauvre, dans ces moments difficiles, à cause du comportement d'Israël, c'était la honte devant les Madianites, des Amalek, des fils de l'Orient. Ils étaient toujours au-dessus. Toi, un enfant de Dieu, c'est toi qui devais être au-dessus. Tu n'es plus en haut parce que tu as abandonné ton Dieu. Amen. Quelqu'un dit après moi, grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Encore. Grâce à Jésus. Encore. Grâce à Jésus. Dis après moi, je suis Gédéon. Je suis Gédéon. Encore. Je suis Gédéon. Encore. Je suis Gédéon. Yambalo, léo que nous kobeta moi si, léo to kota la ke, na kobeta nangali susu, po basi ba teinga.
Que le Saint-Esprit nous aide. Dans ces moments de blocage, parce que ça monte le blocage. Là, j'ai juste parlé au papa. Peut-être que les papas ne sont pas concernés, il y a des mamans qui sont concernées. Mettons de l'ordre dans nos vies. Ça concerne tout le monde. Mais le Saint-Esprit est en train de parler au papa. Dans la vision, je vois papa, mon colobo connaît ça au Kaouka. C'est pourquoi le Saint-Esprit me montre qu'il doit bénir sa maison. Mais cela peut aussi toucher une maman, ça peut aussi toucher n'importe qui. Dans ces moments difficiles que Israël est en train de passer, Dieu n'a pas oublié Israël. C'est comme toi, nous sommes en train de dire que tu es Gédéon. Alors, Dieu sait à quoi il t'a destiné. Loba, amen. Dieu sait à quoi il t'a destiné. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Gédéon est en train de battre du froment et il est en train de le mettre sous l'abri de Madian pour qu'il ne voie pas. Non, change ta vie. La Bible déclare qu'ils crièrent à l'Éternel. Pendant qu'ils vont crier à l'Éternel, le Seigneur avait un plan pour eux. Si toi tu obéis, si moi j'obéis, si nous obéissons à l'Éternel, l'Éternel a un plan pour nous. Écoutez ce plan. Comment Dieu va intervenir pour ramener Israël dans sa destinée, dans son destin. La Bible déclare, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. L'ange de l'Éternel, Dieu envoie la réponse. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Voilà. Tu y es dans la salle d'attente. Pendant que tu cries à l'Éternel, je parle à quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Dans tes moments de jeûne, dans tes moments de prière, Dieu est en train de créer la transition. Très bien. La transition est en train de se préparer. Sur ce toit, dis-moi amen. Amen. Et bénis cette transition. Dieu prépare la transition pour que tu obtiennes ce que c'est à quoi Dieu t'a destiné. Dis-moi encore amen. Amen. Il envoya son ange. L'ange de l'Éternel ici, c'est lui-même l'Éternel des armées. C'est lui-même Dieu qu'on appelait dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il apparaît, il vient. Dans ce moment de transition vers Gédéon. Tu n'es plus dans le passé. Vous avez crié à l'Éternel. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà ce que Dieu est capable de nous donner. Même si tu es sous la honte, c'est du tic au tac. Comme a dit l'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho Fernando. Tu viens KO. Et tu en sors OK. Ils étaient KO. Mais maintenant, Dieu a commencé son travail. La délivrance pour un peuple qui l'aime. Et Gédéon est étonné. C'est comme toi aussi tu es étonné. Comment on m'appelle vaillant héros? Oui. Tu es en train de chercher. Écoute-moi bien. Je vais parler la part du Seigneur. Où viendra la délivrance? D'où viendra la délivrance? Comment on sera béni?
Comment ce problème prendra fin? Tu te poses mille et une questions. Gédéon aussi posait la même question. Où sont tous ces prodiges? Où sont? Ezawapi. Ezawapi. Matatoli Oyo. Merci Saint-Esprit. Bazo Tatola. Oh, Nzamba Salapona Bakokona. Voilà. Dieu va le faire au travers de toi. C'est toi qui vas vivre ça. Tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas comprendre. Que pour nayo et comme tango yanani. Yanzambe. Batubandima bandima. Yom tozo pelisa mwinda wapi. Na libota oyu. Quelque chose vient de s'accomplir. Tu n'es plus derrière. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Le Seigneur, celui seul qui change le nom, il a changé de la honte, des zéros, chiffres zéros, vaillant héros. Est-ce que tu peux acclamer cela dans ta vie? Vaillant héros. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mandats. Non, l'Éternel se tourna vers lui. Ce que tu as été dans le passé, ce n'est plus ce que tu es là. Maintenant, tu es en train de faire la transition. Comme on aime le dire, comme je vois dans la vision, maintenant tu es dans la salle d'attente. Et kabababababa. Les gens pensent que tu es toujours dans le passé. Bako ya tout le temps ko picola kabankona minkona na yo lokutana. L'Éternel est debout. Vaillant héros. L'Éternel est de ton côté. Le Seigneur t'aime. Nana soloba amen. Le Seigneur t'aime, il veut te bénir. Le Seigneur t'aime, il veut te relever. Le Seigneur t'aime, il veut te consoler. Fini le temps de la honte. Maintenant, entre dans le temps de la transition. Dans la salle d'attente. Qui veut te ramener? Merci, mon fils. Ozo, c'est là-bas, Yamba. Ngaï. Nazo c'est la basse la nini. Bayambanga. Reçois. Bayamba on a ambassade. Bayamba on a fiancé. On a confirmé ma cambo. Je suis dans la salle d'attente. Tu n'es plus celui que tu étais dans le passé. Si les gens pensent que ils doivent continuer à voler tes récoltes. Si ko bako kangama. Chez l'Éternel des armées. Zamba bébé sakabangote ko sala nini. Ko beba onga na beba ki lobi. Bangonde ba ko sala nini. Ba ko beba. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu es dans la salle d'attente. Participe et si la ka. Monguna nanga ko sambwa. Participe et si la ka. Nazana sale d'attente pour Bayamba. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Tu y es dans la salle d'attente. Pour Bayamba. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Tu es dans la salle d'attente. Je ne suis plus ce que j'ai été hier. Wana lobo so bukanga. Wana lobo so ziki sanga. Mais il n'était plus permis. Yako kota ni epa nanga. Pona sa moninga yanani. Pona sa mwana yanani. Nzamba sa nangamba nani.
le temps passé, s'ils ont été couverts de honte, que pas les temps à venir seront couverts de gloire. Reçois cela. Reçois cela. Le maître du temps et des circonstances, il a décidé. Il a décidé. Marche sur sa parole. Marche sur sa promesse. Le temps passé était couvert de honte. Keba esili. Naza moninga yanani. Yanzambe. Naza mwana nani. Naza mosali yanani. Naza shwa yanani. Keba. Oso kansa nazaka oebo zako ndia biloko. Nazo banga bino lusute. Keba na yo naza mutabilaka. Alleluia. Le temps à venir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Sur le temps passé, on venait tout détruire. On venait tout détruire. Et les Madians ne venaient pas seuls. Ils venaient avec les Amalek. Ils venaient avec les fils de l'Orient. Keba! Le temps a changé par le maître du temps et de circonstances. Je suis dans la salle d'attente. Nazo c'est là-bas yamanga. Fika la mingi te yo sala nini. Nazo c'est là-bas yamanga. Nazo c'est là-bas. E ka ba 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 ba. Sokinga yo ne gana beta mololo avec des trucs de joie. Gloire à Jésus. J'attends. J'attends. Je prophétise sur toi. Sur le temps passé, avec couvert de honte, le temps à venir seront couverts de gloire. Ainsi parle l'Éternel. Ce qui est le cas, c'est là qui sonne. Ce qui est le cas, au beau tâté. Mais oh Ezoya, oh Salanini, oh Zobota, oh Ezoya, oh Zobala. Qu'on ne te regarde pas dans ton passé. Keba batuba keba. Bazota la yona lobina. Non. Nazali sou na lobina nga. Na komi na temps présent. Dieu est mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'écris à l'Éternel. Bien-aimé, sois fortifié. Que Dieu est de ton côté. Bakolonga yote. Amen. Bakokoka yote. Oye batia ki yo lobi. Lobi yo libo. Seko salem el subongo. Marche sur cette parole. Marche sur cette parole. Oye zana sima. Nanga ezana sima. Ce qui est passé est passé. Eza yakala. Ça ne va pas influencer ma vie. Ça ne va pas me diriger. Maintenant, je suis dans la salle d'attente. Bayambanga, Mokonza Yambanga, Mokonza, Mokonza, ça déjà nanga. Nous sommes en train de travailler. Je suis en train de prendre un autre nom. Vaillant héros. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Kotsakananga ite. Bien-aimé, relève-toi. Crois que Dieu est de ton côté. Le temps à venir seront couverts de gloire. Il faut croire. Dieu est fidèle. Même quand toi tu n'es pas fidèle, lui il est fidèle. Bien-aimé, le Seigneur lui dit, le Seigneur se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des ennemis. Je parle à quelqu'un. Élève ta main droite. Touche-moi avec ta main droite. Délivre ta famille de la main de l'ennemi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton travail en RDC, vous allez en RDC va délivrer cette nation. Amen. Simbanga, Simbanga. Reçois la grâce dans ce que tu vas faire. Tu es Gédéon. Tu vas guérir des familles. Tu vas guérir cette nation. Va avec la force que tu as.
délivre Israël de la main de Madian. Reçois la mission. Reçois la mission. Touche-moi avec ta main. Reçois cette faveur que Gédéon a reçue. Reçois la mission. Non pas seulement Gédéon seul, sa famille tout entière. Non pas seulement sa famille seule, toute la nation d'Israël. Reçois au nom de Jésus. Que le Seigneur t'utilise et toi. Batba Pika. Batba ça la conseiller. Batba ça la relever. Que le Seigneur t'utilise et toi. Au nom de Jésus. Délivre Israël de la main de Madian. Simba. Que cette parole sorte avec toi. Que cette parole sorte avec toi. Au nom de Jésus. Assieds-toi, j'atterris. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Avec quoi? Avec quoi? Délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manasse. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit. Mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Reçois cela. Touche-moi. Touche-moi. Tu battras. Reçois. Je ne sais pas pour qui je parle. Reçois cette parole. Que cette parole puisse t'équiper. Tu battras Madian comme un seul homme. Shekabababababababa. Tu battras Madian comme un seul homme. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous avons lu. Touche-moi. Il y a quelque chose ici. Nous avons atterri. Tu battras Madian comme un seul homme. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que nous avons lu au chapitre 7, 1 au 7e verset. L'Éternel dit à Gédéon, tu ne peux pas aller avec tous ces hommes de peur qu'ils ne disent que c'est ma propre main qui nous a délivrés. Reçois la force. Yo Simbanga, Simbanga. Tu ne peux pas aller avec tous ces gens. La Bible déclare, Dieu demande à Gédéon que les gens craintifs et qui ont peur retournent au camp. La Bible déclare, 22 000 balongarate basalini. Moutounion sakobanga alongwa na territoire na yo. Poyo osanani. Shekabashikabashike. Dieu veut tirer la gloire seul avec toi. Pas avec beaucoup de gens. Shekabababababababa. Reçois. Reçois. Reçois la force. Va avec cette force et délivre ta famille de la main des ennemis. Délivre ta nation de la main des ennemis. Shendabashike. Bien-aimé, 22 000 sont partis. Simanga, 22 000 balongwana finayo. Et Pele bazo sale loko. Balongwa. Que soit la grâce. Il en resta 10 000. Simbanga. Il en reste 10 000. L'Éternel revient encore. Dans la salle d'attente où ils sont. Au nom de Jésus. Dans la salle d'attente où ils sont. Seigneur. Touche. Simba. De vie de notre armée. Qu'il y ait un homme que tu prends et que cette nation soit guérie, délivrée. Touche-moi, touche-moi. Reçois cette force pour ta famille,
pour des nations. Bon école on a eu. Bako benga yo okozala utile. Reçois. Le temps a changé. Tu n'es plus la même personne. Touche-moi, reçois cela. Tu dois gagner. Longa. Tu ne peux pas rater ta mission. Shekabashanda. C'est le temps de Dieu. N'en doute pas. Shekabashike. Ils sont restés à 10 000. Le Seigneur revient encore dans la salle d'attente. Gédéon, 10 000 sont encore nombreux. Amène-les dans l'eau. Je vais t'aider à faire le triage. Sibanga, reçois la force. Reçois la force. Sois distingué dans cette nation. Sois distingué dans des nations. Bat bako benga yo bako luka yo. Sheka ba 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 ba. Shenda ba shaka. De 10 000. Amène-les dans l'eau. Tout celui qui va la paix. Comme l'appe le chien. C'est celui-là que tu vas prendre. Il ne va rester que 300. De ces 10 000 là. Bango nos le va ba fou kama.